Oui, qui rallie le Belzo. Ni on le mounio pali de l'eau à Kazayo, ça qui est inadmissible. Oui, qui rallie le Belzo, mais aussi ni épée dans tout clan Kwayi, quand on a rencontré des mouns qui ont jeté Zodi. Et en sachant que tout ce que nous jetons, même si c'est derrière, on a, ça finit par la mer, parce que nous sommes une île. Et ça tue les poissons, ça tue les animaux, et nous nous tuons nous-mêmes. Luc Hubert Séjour avait dit, leur sali en pays, c'est vous-même ou sali. C'est vous-même ou sali, leur sali en pays. Et depuis 2007, on disait aux gens, arrêtez ça l'optage là, et ça continue. Résultat des courses, ben, si on n'y prête pas attention, maman de l'eau partira vraiment de la terre. Voilà. Et c'est ce message-là que je voulais en particulier donner, mais toujours sous forme de conte, parce que l'imaginaire du conte est adressé surtout aux enfants, ces enfants qui seront des futurs ambassadeurs de l'eau. Notre but, c'est de ce spectacle-là, de passer, s'il pouvait être passé dans toutes les communes de la Guadeloupe où il y a de l'eau, de la mer, etc. Vous avez vu, on a créé un étang. Donc, dès qu'il y a la mer tout près, on est capable de faire. On est capable aussi de faire à l'étranger ce même spectacle. Mais l'idée, c'est de construire aussi avec, à chaque fois avec des enfants de la commune ou de la ville. Donc, ces mouns-là, si vous voulez, pas ni pas problème. On peut faire comme à Mornalo, dans le cadre de moi, un artiste qui m'ont confié ce projet-là. Mais c'est quand vous voulez. Mais moi, je serai toujours prête à défendre les enfants, mon pays, et mon environnement, la Lirondage Guadeloupe.